Ébonite. Je vais tout vous expliquer. Voici donc le numéro 9, Ébonite, tenu le 9 avril, présenté par Monsieur Jacques Cyprès, la fille du très confirmé Calquévi, et Tamise, la mère par Sipinka. Origine exceptionnelle, bien sûr, famille de Al Capone, sous la quatrième mère Zofello, son propre frère, bien sûr. Alors, sous la troisième mère, panique pas, Carmonde, nouveau maire, original, 1m82 original. Et on redescend sur le deuxième mère, et ça continue de marcher avec le club. Regardez, Nil Rouge, Oranie, Jolie, La Chabane, Patriote, Kissas, Jolie et Célimère. Et sous la première mère, il y a un film de jeune gens qui s'appelle donc Tamise, qui n'a pas couru comme quasiment toutes les filles de Sleeping Car, qui ont été souvent des piètres juments de course, mais des remarquables poulinières. Allez, on marche énergiquement, Stu. Pour revenir vers les juges avec cette ébonite. Voilà, alors pourquoi je vous parlais des États-Unis, la future patrie de Donald Trump? Parce que nous avons ici un présentateur américain. Stu est un élève du Darley Flying Start qui va dans tous les pays du monde, donc l'Australie. Donc les pays d'élevage dans le monde, nous avons l'Australie, les États-Unis, l'Irlande, l'Angleterre et la Nièvre. Et donc c'était bien sûr un passage obligatoire avec Fanny qui fait aussi le Darley Flying Start dans la session de Amsterdam dans un mois. Et qui nous présente ici cette pouliche AQPS. Alors les AQPS aux États-Unis, évidemment, vous allez dire que ça ne passe que c'est. Oui et non, car nous avons quand même un circuit d'obstacles qui est non négligeable aux États-Unis. Et donc un circuit d'obstacles avec 99% de chevaux qui courent là-bas, qui sont des exports de l'Europe, dont certains Français, dont quelques AQPS. Voici donc pour ce numéro 9, et Bonite, issu de la grande, grande famille Cyprès, celle de Al Capone.